Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo bois. Ouais, j'ai commencé. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Parce que j'ai essayé pas mal de trucs. Parce que figurez-vous que utiliser le grappin. Là, ça va encore, mais le grappin pour charger les camions. Avec les bras comme ça articulés des camions ou d'autres véhicules, ça a été plus compliqué. Donc j'ai presque même failli abandonner. Et du coup j'ai trouvé quand même une solution. Alors j'ai téléchargé ceci. Je vais faire avec un grappin en fait. Un grappin comme ça. Attelé à une fourche avant au tracteur. J'ai pris sur le tracteur. Et pour pouvoir... c'est plus facile hein, parce que là on monte, on descend, tandis qu'autrement avec les autres il faut bouger dans tous les sens, c'est chiant. Ensuite ici j'ai acheté Herman, j'ai acheté un pack que j'ai téléchargé sur le store. Il y avait deux camions comme ça, un comme ça, comme celui-ci, et un avec la grue ici derrière. Mais avec la grue, comme je disais, c'est compliqué, ça tourne dans tous les sens, c'est chiant. J'ai pas des patiences et ça commençait à m'énerver franchement. Alors du coup j'ai dit je vais essayer ça et j'ai réussi. Alors bon, plus ou moins, mais voilà, à mon rythme, hein, mais voilà, je vais vous montrer. Alors on est ici et alors cette partie là elle est à moi. Non, même pas. Pourquoi elle n'est pas à moi celle-là? Où est-ce que je suis là? Non, pas celle-là. Je me suis trompé. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ici, je me dis, je comprenais pas non plus. Où est-ce que je suis ici? Là. Ici. Ah, voilà. Cette partie-là, elle est à moi. Voilà. Il y a toute cette partie. Alors, ici, on a le champ. Le champ, la route, je veux dire. On a la route qui délimite. Donc toute cette partie est à moi. Tout ça, jusque là-bas. À part cette partie-là. Donc on va faire, on est ici. On est ici exactement. Je vais commencer là un petit peu. Je vais vous montrer juste un peu. Je vais vous montrer. Comment ça se passe? Alors, première chose d'abord. Maintenant, vous savez que il y a... Alors, pour ce qui est du matériel ferrostier... on le télécharge dans les machines forestières sur le store, hein, de la PlayStation, au niveau du jeu. Ensuite, pour l'installer, on le trouve ici, dans outils, on le trouve dans machines équipement forestier. Équipement forestier, alors il faut faire ici. J'ai téléchargé ça ici, là, qui est... pour pousser des arbres en fait. Quand on a plusieurs arbres, on peut les pousser pour qu'ils soient à peu près à la même hauteur, quoi. Faire la même gabarit, quoi. Ici, donc c'est ce que j'ai acheté. On en a encore un comme ça aussi. On en a même plusieurs comme ça. Hein. Comme ça. J'ai voulu l'étayer. En fait, c'est avec le. Ça se passe par-dessus. C'est avec le. Comment s'appelle le. La batteuse, en fait. Mais ça tourne en haut, à droite, à gauche, tout ça. Bon, c'est chiant, alors. Je vais pas envie de le truc. Ça, c'est le même. Et c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, le prix, je vous montrerai après. Je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Dans les machines forestières ici, j'ai téléchargé aussi dans le store. Mais je vais pas m'en servir finalement parce que pas terrible. Alors, ça, non. Voilà, alors voilà le camion, il y a celui-ci et celui-là. Il y a celui-ci qui est avec la grue, mais c'est chiant pour utiliser. Alors bon, je préfère utiliser celui-là et je préfère utiliser un grappin. Le même principe que ça en fait, mais ça c'est plus... il est trop gros ça. Pour le séquoia géant, je pense. Ensuite, c'est tout. Je sais où je le trouvais. Et j'ai téléchargé, mais je vais pas m'en servir finalement. Dans divers, il est dans divers. J'ai acheté une pelle. Une pelle. Comme là-dessus. Ici. Une pelle. Alors, elle peut servir pour les cailloux.
J'ai essayé, mais c'est pas terrible. Enfin, je pouvais pas. Et il y a aussi, qui se trouve dans les outils, je crois, ou dans divers. Non, c'est dans divers aussi, dans divers outils. Qui se trouve ici, je crois. À la fin, voilà, ici. Hop, hop. Ici. Vous voyez comme là-dessus. C'est ça en fait. La batteuse, on peut changer. Elle fait des 32 qui vont jusqu'à 64 cm de diamètre. Alors que les autres machines font à plus, hein. C'est 94, je crois, je sais plus combien. La machine forestière, celle que j'ai, voyons, où c'est que je l'ai. Celle que j'ai par là. Ici. Ouais. Elle va jusqu'à 65 cm, 65. C'est pas mal. Mais ça suffit de toute façon. Parce que pour les arbres que j'ai. Alors je peux pas faire cela parce qu'ils sont. C'est pas à moi, hein. Ce côté-ci, c'est pas à moi. C'est de ce côté. 65 cm, ça y va largement. Hein. Ça fait pas 65. Et parce qu'il y a des troncs beaucoup plus gros. Hein. Celui-ci est déjà un peu plus gros. Oh là, pareil. Celui-là, peut-être, il est un peu plus gros. Il est plus grand, c'est 35 mètres. Voilà, on va le sortir. Alors, ce que je vais faire, ce qu'on peut faire ici maintenant, je vais vous montrer ici, dans outils, on a le spray de marquage. Alors, on peut prendre du bleu, du vert, du orange, du rouge, du rose, du blanc, du jaune. Et voilà. Et je l'ai pris. On le trouve donc au niveau de la tronçonneuse. Alors, je me suis même acheté une hache. Une hache. Alors, et on peut pas faire comme ça, il faut la basculer. Alors, ça marchait? Oui, ça marche. Voilà, on peut la basculer. Alors, là, ça marchait. Oui, un peu coupé, mais je ne vais pas le faire. Hein. Après, on a la tronçonneuse. Et. Ah, mais je ne l'ai pas acheté. Ah, d'accord, oui, je ne l'ai pas acheté. Attends pour moi. Je vais prendre du. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre du rouge. Je prends du jaune, alors pour la peine. Je prends du jaune? Ça se voit le jaune? Ouais, je prends du rouge. Au milieu du vert? Ouais. Je prends du rouge. Et voilà. Donc on fait ça. On refait ça. Voilà. Donc il y a ça, ça, ça et ça. Et donc ça. Et donc on fait ça. C'est pour marquer les arbres. Parce qu'effectivement, on peut les marquer. Alors. Je vais, parce qu'on peut, on va pas tous les enlever. Alors je vais pas m'embêter, je vais en faire un ou deux pour vous montrer comme je vais enlever. Alors il faut se mettre là quand il y a le petit sigle de l'arbre et on appuie sur X, pas sur X, sur le rond. Et voilà. Et on a un rond, on a un triangle, je veux dire, et on a une croix. Donc ça veut dire que l'arbre on peut l'enlever. Je vais en profiter, je vais enlever celui-là aussi. Ok, celui-là aussi, c'est pour vous montrer, etc. Voilà. Bon, je vais faire que nous trois. Hein. Après, j'ai acheté un petit chenillard pour enlever. Enfin, je l'ai pris sur ça. Un broyeur forestier, je veux dire. Pourquoi? Parce que on voit pas grand-chose en fait au niveau de l'arbre. Hein. Je vais essayer d'enlever un peu, alors je vais pas vous montrer, mais si je vous montre vite fait, mais c'est vrai que quand on arrive, bon celui-là je vais pas le faire, hein, de toute façon, mais quand on arrive, bon celui-là encore ça va, oui je le ferai, je pense aussi, mais quand on arrive à certains, ils sont pas tous, oh, je pourrais, mais voilà, bon, c'est pas pratique pour, on voit mieux quoi en fait, avec la batteuse, parce qu'avec ces trucs-là de buisson, c'est chiant. Donc je vais, on les enlève et pour les enlever, ben, on fait comme ça. Hein. Alors, moi j'ai mis sur le Primus là, Prinors. Bon, si je fais, on voit pas grand-chose. Hein, mais... Ça permet de que l'arbre peut tourner. Hein. Ça permet de. Si on veut enlever les buissons,
Mince. Donc je vous montre vite fait en fait. Hein. Et surtout ça permet de voir les où sont les rochers. Là, on peut lever, hein. Obligé de. Etc. Ouais, ça permet de voir un peu mieux quoi. C'est le principe. Bon, ensuite, je vais couper. On va couper un ou deux. Alors, j'ai fait du 8 mètres. Alors, ici, avec le triangle, on modifie la longueur de la coupe. 8 mètres, 9, 12 mètres, 15 mètres, 20 mètres, maximum, 2 mètres 50, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 8 mètres. Je fais 8 mètres parce que ça va dans la remorque là-bas. Pourquoi c'est plus facile de mettre des grands, j'ai remarqué, que les petits en fait. C'est plus chiant les petits. Donc voilà, ensuite, et on va faire celui-là. Voilà, alors il y a le truc là-bas qui est en surveillance. Il faut activer déjà. Alors après, ben, il faut le mettre en face. Inclinaison. On va pas l'incliner, on va l'aligner. Couper. On appuie. Il appuie. Et après, eh bien, il faut le tourner. Alors, on peut faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais le mettre là. C'est chiant, mais. Et voilà. Et après, on appuie donc de nouveau, on fait couper. Recouper. Et voilà. Et là, ça m'en a mis deux. Ça m'en a mis deux. Donc, c'est le principe. Ou en fait, je l'ai mis un peu n'importe où, hein. Mince où je vais. Alors. Incliné, non. Modifier. Ah oui, pardon, il faut que je. Non. Aligner. Ah ouais, ça limite direct. Ah, ça limite direct. Et puis il n'y a plus qu'à couper après. Voilà, et après, ouais, voilà, bon, enfin, gros, voilà quoi. Hein. Ouais, bon, ouais, je vais pas les goûts. Et après, on fait couper. Où tu vas? Oh, c'est pas ça du tout que je vais faire. Hein. Ah, ouais. Ouais, je les mets un peu n'importe comment, hein, moi, mais bon. Et normalement, il faut les mettre à peu près ensemble, logiquement. Hein. Et voilà. Bon, je vous ai montré. Ouais. Maintenant, voilà, bon, c'est pour juste pour vous montrer. Hein. Parce que je vous montrer d'autres choses encore après. Donc voilà. Donc, ça fait une tonne, hein. On va pas les amener à la main, hein. Ça fait une tonne, un pin ponderosa. Je l'ai mis à 8 mètres. Alors ce que je vais faire, alors normalement il faut le mettre ensemble logiquement, mais je suis pas trop doué pour le mettre ensemble. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre le véhicule, je vais le mettre là. Je vais faire ça. Je vais amener quelques heures. On va prendre avec ça. Alors je vais essayer d'en prendre un, peut-être deux si je peux, mais c'est pas sûr. Je vais essayer d'en prendre un toujours, puis on verra. Par contre, ouais.
Alors, où c'est que j'ai mis les paires? Ah, là, j'en ai un là. Je vais prendre cela. Ouais, c'est ça, les buissons on gêne maintenant. C'est pour ça que il faut enlever les buissons parce que c'est chiant. On voit rien. Les buissons, je sais pas où est le truc là, on voit rien. Voilà, les buissons, je vois rien. Ouais, c'est chiant. Alors, ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Hein. Alors, est-ce que ça marche? Comme ça. Ah ben non, j'ai loupé. Ah, attends, comme ça, comme ça. Ouais, je vois rien alors. Hein. Où c'est que j'ai le truc là? Ah ouais, là. Alors. Je sais pas si je peux les prendre les deux, ouais, je pense. Je sais pas, je vois rien. D'où l'intérêt d'enlever les buissons, hein. Ok. Ben, ça marche quand même. Voilà, mais ça marche plus facilement comme ça en fait. Bon, par contre, les buissons, ça me gêne hein, quand même. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais perdre du temps, on peut le faire, mais bon, je vais faire comme ça. Hein. Après, chacun en fait comme il veut. C'est pas forcément. Il n'y aura pas un grand rendement, mais bon, vous savez comment les rendements. Alors, je vais essayer de me mettre de droit déjà. Ouais. Est-ce que ça passe? Ouais, ça devrait passer juste. Voilà, un peu. Tac. Ouais, à peu près. Oui, il se barre. Ah non, c'est bon. Voilà, en gros, c'est ça. Oups, où je vais. Donc voilà le principe. Hein. Le principe. Donc je fais comme ça. Alors, il faut que se mettre de droit quand même. Au milieu, de préférence. Pas au milieu là, mais ça fait rien. Ça devrait... bon, je pourrais me prendre le cœur, hein, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, oula, ça penche quand même. Hein. Il est gros celui-là. Une tonne. J'ai mis une tonne derrière, une tonne et demie, je crois. Ouais, c'est juste. Hein. Ça balance. Hein. Mais voilà, mais je suis comme ça que j'arrive à le faire, autrement, c'est chiant, autrement. Ouais, ça devrait passer, je pense. On va faire ça. Nickel. Donc voilà, vous connaissez les principes. Alors, ce que je vais faire... Bon, je vais en faire quand même. Mais c'est très long quand même mon truc, hein. Mais ça fait rien. Hein. Il n'y a pas le feu. Parce que c'est comme ça si je. Parce que bon, j'ai bien une truc de planche. Mais il me faut dans le magasin où on peut prendre une planche, une palette de planche entière en fait. Le seul problème, c'est que. Le seul problème. Ouh. Je sais pas s'il va arriver au bout celui-là. Oui alors c'est pas très. C'est peut-être moins académique que. Tiens, je vais. Bon, c'est pas grave.
C'est moins académique que peut-être que faire différemment, mais ça fait, je fais comme ça. Hein. C'est comme ça que j'y arrive, sans me prendre la tête. Hop, merde, ça me trompe à côté. Est-ce que je passe là? Ouais, nickel. Ouais. Nickel. Ça c'est bon. Bon, je vais arrêter là. C'est pas que j'en ai marre, mais c'est que je vous montre autre chose. Parce que là, on tourne. Ouais, je fais comme ça. C'est plus long, mais au moins bon. Mais par contre, il faut enlever les trucs parce qu'après, je vois même pas où sont les agrumes. Alors, bon, il faut bien sûr faut remplir davantage, hein, mais c'est pour vous montrer. Eh bien, non, pardon. Ok, on va dire que c'est plein. on va faire comme ça. Hop. Ouais, bon, c'est bon, les frères, il y en aura. Allez, go! Je vais vous montrer la scierie maintenant. Je vais vous montrer la scierie. Mais c'est plus pratique comme je fais. C'est plus long, mais ouais. Hein. Eh bien, avance, toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, la route. Le man, c'est en man. Ouais, classique. Alors j'ai pris ça parce qu'on peut passer par la route. Et je pense que je pourrais aller dans le champ aussi avec, je pense. Enfin, je verrai. Pour l'instant, je suis dans une zone boisée qui est près de la route. Alors ça va, on verra après. Plus tard, c'est vrai que c'est moins évident, quoi. Mais je pense que j'arriverai à passer aussi, hein, sur les chemins. Je sais pas. Je vais vous montrer la scierie, l'ancienne scierie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va mettre les bois. On sait pas loin, c'est ici. Ben, on y va par la route, c'est impeccable. Alors, c'est ici que ça se passe. J'ai racheté un autre tracteur aussi, avec un. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais me mettre là, parce qu'il faut mettre les grumes dans l'eau. Comme dans le truc du bûcheron, l'autre. Hop. Alors, il faut que j'achète d'abord, je crois. Parce que si je me rappelle bien, je n'ai pas acheté. C'est pour ça. Où est-ce que je suis là? Ici. Il faut que j'achète toute la truc ici. Et pour acheter. Ah non, pas la peine. J'achète ici alors. Ah non, c'est ici que j'achète. Autant pour moi. 250. Voilà. Alors, 250 000. Je crois que je vous avais montré, non, la première vidéo, je sais plus. On va mettre les agrumes là, là, par terre, dans l'eau. Ça va monter là-bas direct. Ça va passer comme ça là-bas. Et après, à l'intérieur, ça vous fait des. Ça va arriver ici. Bon, ça va arriver ici en fait, hein, les palettes. Parce que même si ça bouge, on voit pas les palettes, je crois pas. Hein. Enfin, je sais pas. Puisque ça arrive là normalement. Hein. Mais je pense pas qu'il y aura une animation aussi. Hein. Ça arrivera ici normalement. Hein. Mais je crois pas que ça va arriver. Je pense pas qu'on verra de planches. Hein. Je pense que les palettes arriveront, je sais pas. Là directement. Alors ici, je pense. Et peut-être là-bas. Alors je sais pas, j'ai pas compris. Il y a un truc ici. Oula. Il y a un truc ici aussi. Je sais pas ce que c'est. Si on peut les avoir. Je sais pas. Il y a des trucs ici aussi. C'est une notion, ça fait partie de la série aussi. Alors je sais pas si ça y est ou pas. Parce que comme vous pouvez voir, ça fait. Alors, production active, donc on fait avec le bois, on va faire des planches, des longues planches,
des poutres en bois et des murs préfabriqués. Alors c'est pour ça, j'ai une pièce de planche dans le magasin, mais j'ai pas de longue planche, ni de poutre. Donc je peux pas faire quoi. Et murs préfabriqués non plus. Et pour mon bateau, il me faut des planches, des longues planches et des poutres en bois. Le mur préfabriqué, c'est pour le Super 8 là, je crois. Et donc ça fait donc. Ah, et en plus ça fait des copeaux de bois aussi. 14 litres, pourquoi? Ah ouais, parce que j'en avais. Ah bon? J'en avais dedans. Ah oui, j'en avais dedans déjà. Oh, c'est bizarre ça. Bon, je sais pas, enfin bref. ça m'a marqué le. Ah bon, bon bref. Parce que j'avais fait un essai alors. Et finalement, ouais, bon bref. Alors ensuite. Ben, il reste plus qu'à. Alors ici, c'est marqué, hein. Comme d'habitude, hein, c'est le même principe, hein. Planche, copeaux, longue planche, poutre en bois, mais préfabriqué. Donc voilà. Et je crois que le copeau de bois, c'est là-bas au fond, il me semble. Je suis pas sûr. Je sais qu'il y en a de l'autre côté aussi, mais je sais pas. On va voir ça de suite. Je vais amener ça dans la flotte. Où est-ce que j'ai mon tracteur? Là. On fait comme ça. Là, et normalement, je sais pas, je vais essayer. Alors, je vais me mettre au milieu, par contre, hein, parce que sinon. Ah bien que c'est pareil, non? Ah oui, c'est pareil là-bas. Ah ouais, il y en a qui c'est pareil tout seul. Ah, et si je faisais comme ça? Et ouais. Voyons. Et si je faisais comme ça, qu'est-ce que ça donne, hein? Je sais pas. Oui, c'est barre. Il se barre tout seul. Oh, c'est bien, tu n'as pas peine que j'ai le tracteur alors. Bon, tant pis. Mais ça fait rien. Il se barre tout seul. Ouais, alors je vais essayer de le dépêcher. Tac, 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 tac. Ah merde, c'est raté, dans l'eau. Ah! Eh bien. Merde, ça. Ah bon. Allez. Oh, c'est trop tard maintenant, purée. Je vais vous montrer. Oh. C'est trop tard. Oh, y a plus, allez, go. Tant pis, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave, allez, go. Y en a plus. Oh, mais j'ai pas besoin alors. Il marche tout seul le truc. Il se débarque tout seul. Oh, bon, c'est pas la peine alors. Ok. Et donc, après, c'est plus qu'à remplir. Oh, finalement, je l'ai amené pour rien le tracteur. C'est pas grave. Ensuite, donc, on en est à 7700. 7000. J'ai 40 litres de planche. Alors, je crois que c'est jusqu'à. Je sais pas. Jusqu'à combien? 1000, je pense. Je sais pas. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, il faut attendre, hein, il faut que ça se fasse. Par contre, je crois, alors derrière, on peut avoir des copeaux de bois, on peut amener les copeaux de bois, mais ici derrière, mais je n'ai pas compris trop. Ah ouais, on amène les copeaux de bois, on peut le mettre ici, et ça, non, ça fait davantage de copeaux de bois, ils disent. Ouais, je sais pas, je sais pas, je m'en rappelle plus. On peut décharger les copeaux de bois? Non, je sais pas. Bon, enfin, mais de toute façon, je vais pas utiliser. Par contre, je crois que les copeaux de bois, ils sont là-bas, en fait, je pense. Parce que ça fait partie du même truc, je pense, ça, ici. Hein. Il me semble que c'est les copeaux de bois qu'il y a ici. C'est les copeaux de bois qu'il y a. Et ça descend par là, de temps en temps. Je sais pas. Bon. Et alors oui, parce que après, alors ici on a les yeux de conteneur que je vais pas me servir de toute façon. Par contre ici on a comme arbre, ça c'est pour les conteneurs. Hein. Parce qu'on peut mettre des trucs en conteneur, mais je vais pas utiliser le conteneur. Par contre on a des séquoias géants ici. Les séquoias géants, 28 mètres, mais surtout ils sont plus gros. Là, je pense qu'il faudra le. Si je les prends, il faudra le.
le gros chargeur là. Hein. Parce que ceux-là ils sont balèzes. Hein. Et je pense qu'on peut les acheter. Oula! Qu'est-ce qui se passait si je... Mais rien. Ok. Oui, est-ce que là? Je sais pas. Alors, le train il va de là. Il fait comme ça. Là. Ouais, là. Là, ouais. Mais le truc, je vais pas utiliser non plus. Hein. Je vais voir, je voulais voir où est-ce que je suis ici. Ah, ici. Ah, oh, mais je sais pas si on va utiliser beaucoup de ce couille. Hein. Voyons. Ah, si, peut-être. Hein. Mince. Voyons le 4, hein, oui. Ouais, le 4, je pourrais mettre des sequoias là. Et ici aussi, je croyais là, non? Ouais, en face, je suis passé là. Par là, ça va jusque là. Ouais. Ok. Donc là, on a les sequoias. Ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Où c'est que je suis ici? Ouais, c'est ça. C'est une forêt de séquoia. Alors là, il y a du bois. Hein. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Hein. Mais il me faut gros machin là. Hein. Parce que. Moi, j'aurais fait du bois. Mais il faut que je mette tout ici sur place, c'est ça le problème. Bon, bref. Donc voilà. C'était pour vous montrer. Je vous ai montré ça. Alors, je sais pas où on est ici. Hein. Je vous ai montré ça. Ouais. On peut pas prendre celui-là, bois. On va plus vite. Non, on peut pas le prendre celui-là. C'est que du décor. Et ici, alors je pense que c'est pour le. C'est la fosse à copeaux, je pense. Sinon, je vois pas ce que c'est autrement. Là, on peut mettre un petit véhicule si on veut. Bon, y a rien. Je sais pas. Voyons si. Ah voilà, ça tombe, c'est ça. Ok. Bon, donc ça se remplit la fosse, il y a un pour moi. Hein. Ok, c'est bien ça, oui, c'est bien le copeau de bois qu'on peut ramener ici, qu'on peut recharger si on veut pour quand on aura besoin de copeau de bois. D'accord. Ok. Ouais, c'est bon. Allez, go. Ok. Ouais. Ça pisse. Et après. Bois 5800. Des planches 695. Stockage 8 litres. Le copeau de bois, oui, parce qu'il y a peu. 468, 311, 166. 161. Est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais faire? Ça va être ça. Et si j'essayais vite fait, je suis où là? Je vais essayer de voir si on peut l'avoir. Alors, on est pas là. Ici, là. Un corps de ferme. C'est derrière. Je vais compter, c'est derrière. On va faire une petite somme. Je vais être 9h. On va faire une petite somme. C'est pour voir. Bon, si j'ai assez de bois, normalement, je devrais avoir une palette, je pense. C'est même sûr. Ok. On va faire ça. 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 Ah oui, non, j'ai du temps. Ok. Donc voilà, on va faire ça maintenant.
On va repartir là-bas. Voyons, voyons. Combien j'ai de... Ah, c'est une série. J'ai combien? Oh non, 700. 700? 700? Oh, j'ai pas assez alors. Oh, tant pis. Je voulais vous montrer, mais non. J'ai pas assez encore, hein. Je crois pas. J'ai pas de palette, je pense pas. Ah si. Ah, j'ai des palettes. Voilà, palette longue planche, j'imagine. Longue planche, ok. 1000 unités. Donc voilà mes fameuses longues planches. Qui sont donc dans... Alors, est-ce qu'on peut les prendre à la main, ça? Masse 200 kilos. Donc j'ai trop lourd, ouais. Il faut que je vais venir chercher avec un truc. Et ça, les poutres. Ça, c'est les poutres. 750 kilos, ouais. C'est les poutres. D'accord. Donc ça va ici. Les poutres et... Je pense... Je sais pas. On verra. Très bien. Et est-ce que j'ai... Alors... Bon, après, je vais le mettre ici. Hein. Il faudra un chariot élévateur. Je pourrais le mettre ici en attendant. Et puis après, je déchargerai avec un camion, un semi-remorque que je vais chercher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai combien encore de bois? J'ai plus de bois? Non, mais t'as eu manquant. Non, j'ai plus de bois. Bon, c'est pas grave. Et ici, est-ce qu'il y a des trucs ici? Ah, aussi. Ah, il y a ici. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Des poutres et longues planches. Et ici, on a les planches. D'accord. 600 kilos de planches. D'accord. Planches, longues planches. Ouais. Bon. Ouais, d'accord. Faut pas. Bon, ils en mettent là. Ah, c'est parce que là-bas, il n'y a plus de place. Hein. Bon, je sais pas. Donc voilà le principe. Juste la planche, longue planche. Et poutres. Ah, que le mur que j'ai pas encore. Ah, à moins que le mur. Et non, il y a. Bon, je sais pas. Le mur, je sais pas où il va être, le mur. Hein. À moins que ce soit autre part. Parce que. Je sais pas. Oh, je pense que le mur, il va être là-bas. Hein. Ouais, je pense. Voilà, bon là. Ok. Non, je pense que le mur, il n'est peut-être pas, ou alors il est autre part. Non, je crois pas. Il n'y a pas encore assez, je pense. Je sais pas. Bon, bref. Je vous ai montré, en principe. Oh, je vais essayer de continuer au fur et à mesure. Hein, pour, parce qu'il faut que j'amène ça après. Hein. Au bateau là-bas. Je vais attendre d'avoir davantage. Hein. Il faut que je fasse du bois encore. Hein. Oh, mais avec ça, j'arrive à faire du. J'arrive à faire quand même quelques planches, quand même. Hein. Donc voilà. C'est tout, je vais arrêter là. Je vous montrerai la prochaine. Alors, je vais continuer. J'essaie d'en mettre là-bas, hein, au fur et à mesure. Et puis, la prochaine fois, je vous montrerai pour le. Ici. Le puits à mine. Le puits de mine. Pourquoi? Parce que je vous verrai pour faire du métal. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Donc je vous dis donc bye bye, à la prochaine, allez ciao.